10 parties du corps les plus longues au monde. Parfois, les gens naissent avec des membres stupéfiants. Une personne est pourvue d'un grand nez, l'autre d'un nez tout petit, ou peut-être d'une chevelure rousse. C'est l'ensemble de ces caractéristiques physiques qui fait de nous ce que nous sommes. Aucune copie de nous n'existe dans le monde. Enfin, sauf si vous avez un vrai jumeau. Et même dans ce cas, chacun des jumeaux est unique. Et si vous aviez une partie de votre corps particulièrement longue? À quoi faisons-nous référence? D'après vous? Si vous l'ignorez, vous trouverez la réponse dans cette vidéo des 10 parties du corps les plus longues au monde. Nous commencerons notre vidéo par une langue anormalement longue et nous finirons notre tour des records avec un membre long et étrange qu'il vous faudra voir pour y croire. Numéro 10. La langue la plus longue. Au premier abord, Nick Stober de Monterey en Californie ressemble à n'importe quelle personne ordinaire. Rien dans son apparence ne laisserait supposer son don. Mais attendez qu'il ouvre la bouche et vous montre ce dont l'a doté Mère Nature. Cet homme est pourvu d'une langue exceptionnellement longue. Cette langue est énorme. Nick est fier de sa langue de concours et il a établi un record dans le livre Guinness. Nick peut sortir sa langue de 10,1 cm. Aucun doute qu'il peut réussir tous les tours qui nécessitent une longue langue. Il doit probablement facilement toucher son coude ou son nez. Ces défis doivent être une partie de rigolade pour lui. Mais si sa langue ne vous impressionne pas, alors jetez un coup d'œil à ses tableaux. Nick peint de superbes peintures, et tout ça avec, vous l'avez deviné, sa langue. Numéro 9. Des pieds colossaux. C'est déjà difficile de trouver des chaussures à sa taille quand on a des pieds plus grands que la moyenne. Alors qu'en est-il pour le Marocain Brahim Takioula? Comment arrive-t-il à trouver des chaussures à sa taille? En 2011, Brahim a décroché un record mondial dans le livre Guinness pour les plus grands pieds du monde. Ses pieds sont exceptionnellement grands. Il chausse du 58. Son pied gauche mesure 38,1 cm et son pied droit mesure 37,5 cm. Incroyable, non? Évidemment, des pieds aussi grands appartiennent à une personne d'une stature aussi impressionnante. Brahim mesure en effet 2,46 m. Il est le deuxième homme le plus grand du monde. Sa poussée de croissance a eu lieu au cours de son adolescence. Brahim ne peut pas se tenir debout dans l'appartement qu'il occupe à Paris avec sa mère. Numéro 8. Les jambes les plus longues. De nombreuses femmes rêvent d'avoir de longues jambes élancées. C'est également une condition nécessaire pour être mannequin. Ekaterina Lysina, originaire de Russie, est naturellement pourvue de longues et belles jambes et fait du mannequinat. En 2017, elle a été reconnue par le livre Guinness comme la détentrice féminine des jambes les plus longues au monde. D'ailleurs, ses jambes ne font pas la même longueur. Sa jambe gauche fait 132,8 cm et sa jambe droite fait 132,2 cm. La mannequin russe vient d'une famille où les grandes tailles sont habituelles. Elle s'est donc toujours sentie dans son élément. Ekaterina fait 2,06 m de hauteur et a délibérément sollicité une place dans le livre Guinness pour inspirer les femmes de grande taille comme elle. Elle se rappelle avoir été régulièrement victime de moqueries dans son enfance et souhaite montrer qu'être très grand est complètement normal. Numéro 7. Les ongles les plus longs. La majorité d'entre nous coupons nos ongles toutes les semaines pour les garder propres et soignés. D'autres personnes, en majorité des femmes, choisissent de garder des ongles longs pour les décorer avec du vernis ou d'autres types de décorations pour ongles. Et puis, certaines personnes choisissent d'avoir des ongles extrêmement longs. C'est le cas de Lee Redmond, la détentrice du record des ongles les plus longs du monde. Ses ongles étaient les plus longs en 2008 et leur longueur combinée équivaut à 8,65 m. C'est aussi long qu'un bus scolaire. Son plus long ongle se trouvait sur son pouce avec 90 cm. Lee a commencé à garder ses ongles longs à partir de 1979. À l'époque, il faisait 5 cm. Elle a arrêté de les couper et de les limer pour voir jusqu'où ils pouvaient aller avant de se tordre. Mais les ongles de Lee ne se sont pas tordus, contrairement aux autres porteurs de très longs ongles. Numéro 6. Les cheveux les plus longs. Tran Van Ae est un homme vietnamien
qui n'avait jamais lavé ni coupé ses cheveux en 50 ans. Il gardait ses cheveux cachés sous un foulard. À l'âge de 25 ans, il avait vécu une expérience traumatisante avec un coiffeur et avait alors décidé de ne plus jamais les couper. Il était tombé très malade après son rendez-vous chez le coiffeur et on avait conclu que la coupe de cheveux en était responsable. Il n'a ni coupé ni lavé ses cheveux pendant 50 ans. Quand il a finalement montré ses cheveux à ses proches et à sa famille, la surprise était de mise. Ses cheveux, très lourds, ressemblaient à un boa constrictor. À sa mort, à 79 ans, ses cheveux faisaient 6,80 m de longueur et pesaient 10,5 kg. Bien qu'il n'ait jamais officiellement établi un record avec le livre Guinness, nous pensons qu'il a bien mérité sa place dans notre top 10. Numéro 5. La langue la plus longue pour une femme. Apparemment, les femmes aussi peuvent avoir une langue exceptionnellement grande. Officiellement, la plus longue langue appartient à l'américaine Chanel Tapper, avec 9,75 cm. Son record a été établi en 2010 avec le livre Guinness. Une autre femme, Adriana Lewis, a sollicité le titre en affirmant que sa langue mesurait 10,16 cm. Soit un tout petit peu moins qu'un demi-centimètre de plus. Avec une telle langue, elle peut toucher son œil. Bien qu'il n'y ait pas encore de record officiel, elle fait sensation sur YouTube. Au cours de nos recherches pour l'édition de cette vidéo, nous avons trouvé cette vidéo que nous devons absolument partager avec vous. Il s'agit d'une statue de cire d'une femme avec une langue extraordinairement longue. Nous ne savons pas vraiment qui est cette femme, mais sa langue est vraiment exceptionnellement longue et assez effrayante. Pensez-vous qu'elle existe vraiment? Cette statue de cire se trouve dans le parc d'attractions Ice City. Ils ont récemment ouvert une nouvelle attraction intitulée Red Carpet, tapis rouge en français, avec toute une collection de célébrités comme Mr Bean, Albert Einstein, mais aussi de personnes vraiment uniques, comme cette femme avec l'une des langues les plus longues que vous verrez de votre vie. Numéro 4. La barbe la plus longue. Une barbe ou une moustache est l'une des caractéristiques du corps masculin. Bien que de nombreux hommes arborent désormais un visage rasé, porter une barbe est devenu de plus en plus populaire. Mais saviez-vous que ce n'était pas du goût de tous? Et qu'en est-il d'une très longue barbe? Certains hommes sont connus pour leur barbe très longue. Songez par exemple au détenteur du record mondial, le Canadien Sarwar Singh, avec sa barbe de près de 2,50 m. Mais attendez, nous avons mieux. Le Norvégien Hans Langseth, qui a émigré aux États-Unis, avait une barbe de 5,33 m à sa mort. Il avait fait pousser depuis l'âge de 19 ans pour participer à un concours local de barbe. Numéro 3. Le cou le plus long. Les femmes de la tribu Padang, au Myanmar, sont connues pour leur incroyable tradition de porter des anneaux autour du cou. Une spirale de cuivre est placée autour de leur cou, donnant l'impression que leur cou est plus long. À partir de l'âge de 5 ans, les filles de la tribu commencent à porter une spirale d'anneaux autour de leur cou. Au fil du temps, la spirale est remplacée par une spirale plus longue, avec plus d'anneaux. Leur cou ne grandit plus, mais leurs épaules sont comprimées par le poids des anneaux. Cela crée l'illusion d'optique que leur cou continue de grandir. Quand les anneaux sont retirés, une taille maximale de 40 cm de cou peut être mesurée. Cette ancienne tradition est très dangereuse, parce qu'à partir du moment où les femmes portent ces anneaux, elles ne peuvent plus vivre sans. Les anneaux offrent un soutien à leur cou artificiellement allongé. Numéro 2. La main la plus longue. En 2007, Leonid Stadnik, originaire d'Ukraine, a été nommé l'homme le plus grand au monde. Sa taille a été mesurée à 2,44 m. Toutefois, en 2008, il a refusé d'être de nouveau mesuré par le Guinness World Records. En tous les cas, il semblerait que Leonid détenait les paumes les plus grandes du monde. Sa main faisait 31 cm de longueur. Bien que ce record n'ait jamais été officiellement confirmé, il n'est pas étonnant d'imaginer que ses mains étaient aussi grandes quand on voit à quel point Leonid était immense. Son extrême croissance a eu lieu après une opération cérébrale à l'âge de 13 ans. Une tumeur au cerveau a développé une quantité anormale d'hormones de croissance qui lui ont fait atteindre des proportions gigantesques. En 2014, Leonid est décédé d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 45 ans.
Et numéro 1, les poils d'oreilles les plus longs. Certaines personnes ne se soucient pas du tout de la nature du record qu'elles peuvent établir, quel que soit son aspect étrange. Voici Radhakant Bajpai, originaire d'Inde. Cet homme a établi un record mondial dans le livre Guinness en 2003 pour les poils d'oreilles les plus longs au monde, avec une longueur de 13,2 cm. En 2009, ses poils avaient atteint 25 cm et il continue de pousser. Malgré l'envie irrépressible qu'a sa femme de couper ses extensions pilaires, qui sortent des oreilles de son mari, celui-ci reste fidèle à son record. Il ne les rase pas ni ne les coupe parce qu'il lui apporte du bonheur et de la fierté, surtout depuis qu'il détient un record mondial. Un barbier coupe les cheveux de sa tête, mais les poils de ses oreilles ne reçoivent qu'un traitement à base de shampoing. C'était notre vidéo des 10 parties du corps les plus longues du monde. Saviez-vous que des membres de cette taille existaient ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous avons vraiment aimé faire cette vidéo et nous espérons que vous avez aimé la regarder. En likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la petite cloche de notification, vous nous aidez à garder cette chaîne active. Merci pour tout votre soutien et à la prochaine vidéo.